Julien sera pas ici, Camille entre aujourd'hui pour faire la vidéo du jour numéro 22. On est déjà le 23 et je n'ai pas fait encore le 22, donc vous l'aurez en fin d'après-midi parce que le réseau en ce moment c'est compliqué. Ils sont en train de nous installer la fibre dans le village et du coup c'est une catastrophe, la 4G bug. Enfin bref, je voulais vous montrer, j'ai pas fait de petite créa. Spécialement, j'ai testé les petites poudres Magicall et infusions. Donc ça, c'était une infusion que Aurélie Lifleur 72 m'a mis dans mon calendrier. Je me suis servi en bas du petit pochoir. Ça, c'est une Magicall en poudre, un peu en forme de salière. Ça, c'est le petit pochoir de chez Comptoir du Scrap. Et hop, le troisième avec le petit pochoir de Arbaï Marlène. Voilà, le deuxième, la deuxième Magicall. Merci encore Aurélie, c'est vraiment super, super sympa. Voilà, allez, je fais le 22 et j'enchaînerai sur le 23 parce qu'après, j'aurai pas le temps, j'ai encore des petites courses à faire. Mais vous aurez le 23 que le 24, voilà. Une petite case qui est d'une légèreté. On va avoir un micro-tube de je ne sais pas quoi. Alors, c'est... alors, j'adore la marque Polar, comme ça. J'ai de la crème de nuit qui est super agréable, très réconfortante, qui sent hyper bon. Et ça, c'est de la crème du baume à lèvres. Eh ben, écoute, formidable. Je vais garder pour moi, ça. Si elle est aussi bien qu'elle a... Il est rouge. Ah, ça a peut-être donné de la couleur à l'air. Ah oui, ça colore, hein. Tu veux un bisou, Chloé? Non, non, non. Je vais en faire un à ton père tout à l'heure, un truc un peu collant, vous savez. Mais regarde, c'est joli, ça fait... Oh, ça fait beau. C'est coloré, mais naturel. Oh, c'est trop beau. Merci, c'est gentil. C'est un compliment que tu me fais? D'accord, ok, une constatation. Le numéro 22, on arrive à la fin. Après Noël, alors 24 ou 25, il est très joli. Je ferai un petit entre Noël et Nouvel An, je ferai un petit bilan ou en début d'année des calendriers de l'avant pour vous dire ce qu'il en est, retrouver le lit. Le prix que je l'ai payé pour que vous sachiez pour l'année prochaine, sachant que Happy Little Fox, c'était la première année qui nous faisait... un calendrier. Ça, c'est le pochoir de Arbaï Marlène. Il est magnifique. Il est sublime. Franchement, alors là, celui-là, alors je ne me rappelle plus le prix, mais je ne l'avais pas payé très cher, ce calendrier de l'avant. Il était vraiment pas cher, mais j'en suis très, très, très contente. Là, c'est sûr, s'ils refont cette formule l'année prochaine, j'ai intérêt à me dépêcher. Je vous rappelle que les calendriers de l'avant, il y en a certains qui sont déjà en pré-vente dès le mois de septembre, ou en tout cas octobre, hein, pour certains, qui sont vraiment sold out, comme on dit, très rapidement. C'est vrai que, voilà, moi, j'aurais bien aimé me prendre un calendrier de l'avant aquarelle. Bon, ils n'étaient pas donnés, du coup, j'ai réfléchi, tellement réfléchi qu'il n'y en avait plus, voilà. C'est comme ça. Comptoir du Scrap. Ah ben, superbe tampon. Regardez. Un petit gnome. Regardez comme il est trop mignon. Trop mignon. Bon, voilà, ben voilà. Mais je ferai. Hein, voilà, on fera un petit bilan. En tout cas, je suis sûre que Comptoir du Scrap, ça c'est certain. Il est formidable. Happy Little Fox, il est très très bien. Mais il faut que je regarde le prix que je l'avais payé aussi. Mais j'en suis vraiment très contente les deux. Voilà, mais je vais peut-être vous dire qu'ils sont nuls pour que l'année prochaine, je puisse l'avoir, quoi, parce que c'est vrai que... Mais sinon... Alors, par contre, voilà, il y a juste une chose. Si les marques, vous pouviez vous entendre, parce que c'est assez amusant. Moi, j'ai des copinettes, vous voyez, comme Aurélie ou Cathy, celles que je regarde forcément, elles. Je ne regarde pas qu'elles en calendrier de l'avant. Je regarde aussi Zabou, qui me suit d'ailleurs, qui met toujours des commentaires. Et puis, Béa Scrap, hein, je les regarde les deux parce qu'elles me font trop rire. Voilà, elles font rire. Je passe un bon moment, hein, Zabou, je te le dis sincèrement, je passe toujours un bon moment à regarder tes vidéos. Même Chloé, elle fait, elle sait qui c'est, hein, avec le village de Noël derrière. Mais vous savez, il y a des fois des filles comme ça, voilà, bref.
Mais en tout cas, pour Aurélie et Cathy qui ont eu des calendriers Sabah Scrap, ça doit être ça, ou alors la fée du scrap ou machin, elles ont eu des choses variées. Par contre, pourquoi je vous dis ça, en fait? Bah parce que Happy Little Fox, c'est encore une étiquette. Donc là, on va faire le bilan des étiquettes. Alors, c'est toujours utile. C'est vrai que c'est mieux que d'avoir un die de je ne sais pas quoi qui ne servira pas. Mais on fera le compte quand même, parce que là, je pense que j'en suis à, je sais pas, au moins, on doit être autour des 10 die étiquettes entre Comptoir du Scrap et Happy Little Fox. Mais ceci dit, je trouve ça super sympa, super utile. Voilà, merci pour votre petit calendrier. Aurélie, bon, Aurélie, c'est un petit cadre. Donc il nous reste Chloé ou Chérie. Voyons l'indice. Voyons l'indice. Alors, ça, je pense que c'est. Je sais qui c'est. Mais je n'aurais pas dit que c'était la caractéristique principale de cette personne. Mais ceci dit, c'est quand même toujours sympa, c'est dans la bienveillance, ce petit message. Il y a Chloé qui fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais la tuer. Je ne sais pas. J'adore faire des expériences culinaires. Je suis. Je suis. Elle n'avait pas d'autres mots là pour décrire. Je suis. Je suis pas drôle, gentille. Mais ça, c'est parce qu'elle ne te connaissait pas encore. Elle n'avait pas bien regardé les calendriers de l'avant et tout, Aurélie. Hein? Oui, l'année prochaine, elle te fera un truc exprès pour toi. Tu es la plus drôle de la famille, le plus du monde. Voilà. Qui fait des expériences culinaires? Je suis. Je suis. Je suis. Je suis, je suis, je suis. Alors, un petit. Ah, mais il est tombé. Attention, elle est pressée de voir, hein. Non, j'ai pas hâte de voir la photo qu'elle a mise. Ah, je sais pas, ça peut être un mystère. Alors là, il y a un petit doudou câlin. Oh, regardez un petit doudou câlinou. Attention, mesdames et messieurs. On avait gagné, c'est toi. Je sais pas où elle a chopé cette photo. Attends, on va laisser mes abonnés découvrir cette photo en premier. Mais alors. Pourquoi elle prend des belles photos pour les autres et moi elle prend une photo où j'ai une tête de fesse là? Eh bien, c'est parce que c'est ta tête de d'habitude. Mais non, il y a des belles photos. Bah, viens montrer ta bouille là que tu Non, es. non, parce que là je suis pas prête. Ah oui, t'es Mais pas après, prête. j'ai des Alors, moi, photos je trop sais pas d'ailleurs, moches. on va en parler tout de suite rapidement. Celles qui ont des ados à la maison, est-ce que vous allez m'expliquer pourquoi, quand c'est la semaine, ils se mettent sur leur 31, ils s'habillent bien et tout, et tout. Et le week-end, non, bah Chloé, elle est en survette. Moi, tous les jours. Non, pas tous les jours. Elle est en survette et elle se maquille pas, elle met pas de cache misère, elle met rien, elle est naturelle, comme elle dit. Hein? Il Bah, y a des belles photos sur ton bah téléphone. j'y peux rien, moi, t'as qu'à. Tu Mais elle a pris des écoute, photos j'ai le chez moi, téléphone quoi. d'Aurélie, t'as qu'à l'appeler. Bah, je vais la Voilà, prendre. voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez remarquer le joli travail derrière de Ouais, pochoir. bah, elle a pas mal de photos, hein. La photo, bah, je sais pas, tu fais un peu bouille, là. Bah, ouais. Mais ça veut dire que t'as grandi. Là, tu Mais faisais ça, c'était bébé. cet été. Ben non, la photo là, c'est cet été la Oui, c'était dernière. cet été. Ben, je reconnais pas la fenêtre derrière moi. Tiens, je te la donne. Merci Aurélie. Effectivement, Chloé nous fait des expériences culinaires puisque chez nous, celui qui ne travaille pas doit faire à manger aux autres. On est quatre hein, maintenant à la maison, c'est quand même assez rapide. Et c'est vrai qu'elle nous fait quand même des expériences culinaires qui sont ou bonnes ou mauvaises. En tout cas, hier, elle nous a fait et avant-hier des superbes expériences culinaires puisqu'on a trouvé une recette de pâte à crêpes qui est vraiment hyper, hyper facile à faire, qu'elle ne loupe jamais. Et du coup, elle nous a fait des crêpes. Mais elle fait quand même des choses. Non, elle commence. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut avoir. Bah, c'est pas ici. Ça vit. Ah, tu vois, on est C'est pas d'accord? ici, mais c'est cet été. On peut avoir notre vie mise en jeu quand même. En eau de nourriture? Non, là, ça va. Ouais, t'es sûr que ça n'était pas chez. Je sais pas où elle a pioché Non, cette photo. débardeur, j'ai mis cet été. Hein. La veste aussi.
Bah écoute, je ne sais pas, tu le mettais l'été d'avant aussi. Quoi. Merci Aurélie. Voilà, tu as évidemment la revendication. Ouais, bah je vais la bloquer. Mais... Est-ce que cette photo, elle est trop moche? Ah bah moi, je sais pas, moi. Écoute, et des fois, t'étais la première à pas vouloir qu'on te prenne bien en photo. Tu me dis, attends, je suis pas bien. Attends, c'est pas mon beau profil. Ah ouais, ouais, attends, hein, ouais. C'est pas une photo, là, là. Bon, et écoute... Merci Aurélie. Non. Mais c'est pas moi. Tu pouvais t'abstenir. En tout cas, moi, je suis la gentille aujourd'hui. Mmh. Et c'est toi la méchante. Ouais. numéro 22 de Cathy. Voilà, vous avez été plusieurs à me dire, est-ce que tu feras le tuto de la maison? Donc non, je ne ferai pas le tuto de la maison puisque ce tuto ne m'appartient pas. Je n'aurai pas le temps. Et Cathy va vous le faire. Elle me l'a confirmé. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Elle va vous faire ce magnifique tuto de cette petite maison parce que je trouve ça vraiment super sympa. Voilà. Allez, Cathy. Elle n'a pas fait de photo de toi. C'est pas à peine. Voilà. Pas cette année. Cathy, numéro 22. Avec moi, les couleurs se fondent. Les paysages prennent vie. Le monde abonde. L'eau et ma muse. Qui suis-je? Donc, c'est une aquarelle. L'eau et ma muse, non, chose comme ça, non? C'est un petit tube, des petits tubes d'aquarelle. Ah bah, écoute, on a décidé aquarelle. Et j'adore ce truc qu'elle a mis, les petits... vous voyez, elle a mis les petits scratchs, là, les petits velcro sur les sacs. Donc, comme ça, je peux m'en resservir les prochaines. Ah, mais tu m'as remis encore des sparks. Mais non, mais t'es dingue, quand même. Non, mais... Alors, elle m'a redonné des petites aquarelles Spark. C'est des aquarelles, je vous invite, si jamais vous voulez avoir des chefs-d'œuvre, c'est des aquarelles de luxe, c'est des aquarelles artisanales qui coûtent une blinde. Mais je ne saurais pas... Ah si, ça y est. Non, mais t'es folle. Elle m'a offert le petit set Pégase. Regardez-moi comme elles sont trop... Mais t'es dingue, non mais franchement... Donc, on n'est pas censé se ruiner pour un calendrier de l'Avent. C'est être... on peut faire plaisir, mais quand même, là, ça coûte une fortune, celle-là. Voilà, si jamais vous avez envie, voilà, que si vous avez quelqu'un qui doit vous faire un superbe cadeau, vous pouvez aller voir les aquarelles Sparks. C'est pas les seules, hein, mais ça fait partie. Elles sont magnifiques. Franchement, non, mais tu fais de la folie, là. Hein. C'est pas comme si... je n'aimais pas l'aquarelle. Bon. Voilà. Super. J'ouvre un petit 22 bis. Alors, le 22 bis, malheureusement, on sait ce que c'est. Parce que le sachet était ouvert dans le sac. Voilà. Mais c'est pas grave. Je vous mets quand même l'indice. Je vous mets quand même dans l'indice. De la région de Grenoble, je suis l'authentique éclat. Dans les montagnes françaises, je prospère avec fierté. Quand vient l'automne, on me récolte avec dextérité. Qui suis-je? Voilà. Ah oui, c'était les... Voilà. Donc, le paquet, on l'a rescotché, mais il s'était éventré dans... Il s'était éventré... Bah, d'ailleurs, il y a encore un peu. Voilà, dans le sachet. Des noix. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui les as récoltées. Elles sont gigantesques. Elles sont très belles. Et bah écoute, merci Cathy, franchement. Si c'est toi qui les as récoltées, c'est encore mieux. Hein. On adore. Et d'ailleurs, Chloé sait faire un excellent gâteau aux noix. Tu nous en feras peut-être un pendant les vacances. Hein. Voilà. Et bah écoute, merci Cathy. C'est super, super, super sympa. Voilà. Trop gâté, vraiment. Franchement. Vous êtes vraiment des filles super sympas. Et puis, on va ouvrir un petit plus de Cathy. Parce que Cathy, voilà, elle m'a mis 50 milliards de cadeaux. Elle m'a offert cette petite boîte en forme de pain d'épices. Et à l'intérieur, eh ben, c'est des ganaux, des bonbons et des petits confettis. Regardez. Et des petits bonhommes en pain d'épices. Tout ça, je vais pouvoir mettre dans mon... Ils sont très beaux. Franchement. Des petits crocodiles, des mini crocodiles. Allez, tiens, Chloé. Pour te faire pardonner
C'est de la part de Cathy, mais c'est pour Aurélie, ce qu'elle a dit de toi, qui n'était absolument pas méchant d'ailleurs. Merci les filles, c'est super, super, vraiment sympa. Voilà, on arrête là pour cette vidéo-là. J'espère pouvoir la mettre ce soir. Et puis, je vais tout de suite faire le 23. Comme ça, voilà, je vais pouvoir, comme on ira faire des courses tout à l'heure, les télécharger les deux pour que vous puissiez avoir le 23 demain. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous êtes en plein préparatif, de bonnes choses et tout. Vraiment, on va se faire plaisir. On a essayé cette année de pas trop en prendre en quantité, de prendre plein de petites choses différentes pour ne pas manger pendant 3-4 jours après parce qu'on a pris trop de choses. Mais ceci dit, on est content. On a trouvé tout ce qu'on voulait, sauf les bigorneaux. Ils n'avaient pas été livrés en bigorneaux. Donc cet après-midi, on retourne à la poissonnerie pour essayer de trouver des bigorneaux pour mademoiselle. Hein, voilà, si on a, on a. Si on n'a pas, tu t'es trouvé un pinceau. T'as eu un pinceau aujourd'hui? Non, c'était le trou. Ah, d'accord. Donc elle se sert de son pinceau à maquillage pour se caresser le mollet. Voilà. Voilà. Mais ceci, tout va bien. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.